Mais tu sais aussi bien que moi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Moi c'est JP, je suis majeur depuis 3 mois. Je suis incarcéré ici à Bois d'Arcy depuis ça fait 1 an là bientôt, dans quelques jours, 2-3. Et j'espère sortir bientôt là, d'ici peu. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs sessions d'activité, ce qui m'a permis de faire un peu, enfin d'oublier que j'étais en détention et de pouvoir m'exprimer par le biais de la musique, en écrivant des textes, avec l'aide des musiciens de l'association Pulsar. Je sais pas, je me suis dit, ouais, on va faire un truc bidon, quoi, ça. Et je me suis rendu compte que non, quoi, ça. Tout le monde était fier de ce qu'il avait fait, ça, parce que ça rendait bien, les textes étaient bien, les instruments étaient bien, tout ça. Donc ça a donné un procédé, je trouve. En oubliant qu'on est en détention, on est plus libre. Et on est moins sous tension. L'ambiance était sympa, ça donnait envie de faire quelque chose de bien. Je sais pas pourquoi, pour me prouver que moi je peux faire quelque chose de bien. C'est du gros blanc avec du. Ouais, je suis bien ou quoi? En enregistrement, Saïdou et Omar. Désolé. Après avoir tout cassé. Donc je me répète, faut être prêt. Avec Eric. Dis-moi. Pour l'enregistrement du texte de JPC. Sénégal, yo avec la note. On va enregistrer donc en live. Donc Yannick sera à la batterie. Franck nous aidera à la technique. Johan pourra être au vent. Et JPB au chant. Bonheur des uns fait le malheur de certains. Voilà. Alors au début de l'activité, les intervenants sont venus, nous ont proposé d'écrire des textes avec une base, enfin on va dire un sujet global. On va dire c'était l'amour. Au départ on était un peu réticents à l'idée d'écrire des textes sur l'amour. Mais on a pu voir en écrivant, en développant nos idées, que de l'amour, eh ben, pouvait partir beaucoup de choses parce que c'est le centre du monde, l'amour. C'est le centre du monde, tout part de l'amour. Je ne suis pas un jouet, tu es ma déesse, ma fiancée. On n'arrivera pas à nous séparer, on est mieux que soudés, sourds et muets, en langage codé. Et si nous nous aimer, c'est notre destinée. Mais
écrit des textes. On s'est fait aider, bien sûr, pour le vocabulaire, l'orthographe, tout ça. Et on a pu composer nous-mêmes les morceaux avec l'aide des musiciens. On a utilisé un peu de tous les instruments. Ça, c'est parti de guitare, à la basse, à la trompette, au piano. Et puis par des instruments qu'on a construits nous-mêmes. Des instruments à vent, des instruments où on tapait, on faisait des bruits, on s'est servi de beaucoup de choses pour créer des bruits, des choses naturelles, avec des choses assez banales. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas s'arrêter, il faut bien continuer le taf dans la lignée comme on est là, et si ça continue comme ça, là on est vraiment bien dans les temps. Quoi. Ok, allez, on y va. Bon courage les gars, bonne répète. À tout à l'heure. Tout d'abord, au début, c'était un moyen de passer le temps et d'oublier que j'étais en détention. Par la suite, pour nous, c'était comme si on était des musiciens dans un studio et qu'on préparait un album. On ressentait ça de cette manière. Chaque matin, on se levait, on allait au boulot. Et le soir, on rentrait chez nous. Le quotidien dans le milieu carcéral sans ses actions, il est un peu fatigant à la longue parce que on a l'impression que c'est toujours la même journée qui recommence. Et dans une semaine, on pourrait croire qu'il n'y a que 2 jours. Du lundi au vendredi, on pourrait dire que ce soit une journée qui recommence. Et du samedi au dimanche, la même journée. Même heure, toujours la même heure dans mon cœur. Même heure, toujours la même heure, ce qui me fait peur. Même heure, toujours la même heure dans mon cœur. Même heure, toujours la même heure, ce qui me fait peur. Même heure, toujours la même heure. Tu vas prendre le casque, comme ça tu vas entendre ton morceau. Vérifie que le micro soit bien allumé. Ouais. Il est allumé ? Ouais. Ok, super. Donc alors attends, je revérifie. Je viens des soirées trop bien pour durer, mais par-dessus tout, Claire, une relation qui est faite pour durer. Ses cheveux bruns, ses yeux noisettes, une créature parfaite. Chaque fois, j'aime l'observer, conscient de ce que mon regard laisse penser. Car je n'oublierai jamais quand je l'ai rencontré. Un jour deux. Voilà, 40. Donc là, je te fais juste un essai comme ça, hein, juste une petite répète, ok? Soirée trop bien pour durer. Essaye d'enchaîner. Et par-dessus tout, Claire, une relation qui est faite pour durer. Ses cheveux bruns, ses yeux noisettes, une créature parfaite. Chaque fois, j'aime l'observer, conscient de ce que mon regard laisse penser. Car je n'oublierai jamais quand je l'ai rencontré. Un jour de pluie, on s'est mis à l'abri, et on restait des heures à discuter. Voilà, super. Donc ce qu'on fait, c'est que tu reprends juste à un jour de pluie, d'accord? Un jour on de pluie. On est resté des heures à discuter. Alors c'est quoi le texte? C'est un jour de pluie, on s'est mis à l'abri, on est resté des heures à discuter. Ouais. Voilà, bah juste ça. Juste cette petite phrase. Ça s'appelle dropper en fait, tu vois? Ça veut dire dropper, ça veut dire reprendre juste un tout petit passage qui va pas. Ok. Ok? Car je n'oublierai jamais quand je l'ai rencontré. Un jour depuis. Voilà. Car je n'oublierai jamais quand je l'ai rencontré. Tu peux enchaîner juste après, d'accord? C'est ça ta phrase? Lorsque l'on s'est rencontré. C'est soit un jour depuis on s'est mis à l'abri, ou soit un jour depuis on est allé s'abriter. Non, à ce moment-là, dis un jour de pluie, on s'est mis à l'abri. On est resté des heures à discuter. Mais oublie pas de pas faire de liaison, d'accord? On s'est mis à l'abri. Tu vois, t'as pas besoin de dire on s'est mis à l'abri. Enfin, si tu le sens de le faire, mais parce que quand tu fais ça, ça t'entraîne à en faire d'autres liaisons qui, elles, ne sont pas, tu vois... Voilà, parce qu'à un moment donné, tu dis un jour de pluie, on s'est mis à l'abri. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on reprend en silence. J'ai conscience de ce que mon regard laisse passer, car je n'oublierai jamais quand je l'ai rencontré. Un jour de pluie, on s'est mis à l'abri. Hop, vas-y tranquille, hein. Un jour de pluie, on s'est mis à l'abri, on est resté des heures à discuter. T'as le temps. Hein.
on est en fin de parcours. Allez, c'est reparti, les gars. Franck. On regarde l'espace. Car j'ai oublié la dernière quand je l'ai rencontré. La journée depuis, on s'est mis à l'abri, on est resté des heures à discuter. C'est bon ça. Ah, si c'est bon, on enchaîne sur l'espagnol, ok? Chaque fois, j'aime l'observer, conscient de ce que mon regard laisse passer. Car je n'oublierai jamais quand je l'ai rencontré. Un genre de pluie, on s'est mis à l'abri, on est resté des heures à discuter. C'est bon ça. Nickel. On enchaîne. Vu que là, t'as fait un couplet qui est assez posé, en fait, qui est assez posé, qui est assez intimiste, ouais. La fin du morceau, ça va être musical, ça va tourner. Donc là, n'hésite pas à mettre un peu plus de couleur, quoi, tu vois. Nada res me requiere amor, vivir con pan y cebolas. La divide da lo que no tiene, a quoi pasa de no me lo molino, me da lastima saber lo en la carcel. Donc là, Johan en train de dépouiller le bureau du prof de français. Ça a volé, ça a volé. Ne filme pas. Même en prison, il faut continuer avec moi. Là, ta chanson fait piquer, toi. Attache ton café. Parce qu'il y avait des détenus avec qui ça, j'approchais pas, et ça a voulu me rapprocher. Donc maintenant, on est potes, quoi. Même avec vous, après avoir vous connaître. On dirait bien avec vous ça, donc c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Et... ouais, j'ai... franchement, j'ai pris du plaisir à l'activité. Quand tu descends du ciel, wesh, wesh. Ah, c'est pas bon ça, ah, pas bon. C'est pas bon, le ciel il est pas bon, on va le refaire. Allez, on commence. C'est pas du boulot ça. Ah. Bon bah c'est pas grave, ce qu'on va faire, tu vas aller travailler, puis en attendant, on va... pas de profil, j'ai dit. Mon père m'a rappelé trop ça, Bino. Il dit qu'on passe sa reine, et les textes ça veut rien dire, t'es aussi d'un côté pour le prouver comme quoi, dans du rap, on parlait pas que du quartier, tout ça, de la violence et tout, on pouvait parler plusieurs sujets. Ce que j'ai fait, c'est pas des textes qu'on retrouve... dans le rap aussi. Mmh. Je sais pas si c'est... comment je peux dire ça. Moi j'appelle ça des textes réfléchis. Bon, je te mets une fois le morceau, Johan. Mmh. C'est ça. Eh lui, c'est un poème que tu m'as fait, c'est pas un texte. 6-10. Hein? Bah c'est un poème ton texte. Hein. C'est un vrai poème. Non, mais lui, Maxime, il est chelou, mais merde, la vérité. Pourquoi? Est-ce qu'il a changé des trucs? Ouais. Bah s'il a changé, il faut lui dire. Hein. Ce qu'on fait, Johan, c'est que ensemble, on va essayer de découper le texte, voir qu'est-ce qui va passer, sur quoi, en sachant que le refrain, c'est le silence, quoi. D'accord? Donc ça, c'est l'intro, d'accord? Donc l'intro, peut-être tu peux imaginer commencer à dire quelque chose sur l'intro, même si tu chantes pas, quoi. Le coup de crasse là, c'est dans le texte. Tu vois? On comprend le désarroi, on comprend la peine, on comprend tout ça. C'est pas d'en rajouter, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Il faut aller à l'essentiel de ton texte. Ouais. Ouais, mais dire, faut c'est aller... quoi encore? C'est quoi? Et t'es souffrant. Moi je pense ça, je te monte en cellule, moi, la vie de ma mère. Moi, je... Bah non, mais voilà. T'as fait tout ça, toi, comme si je te mets. Non mais voilà,
raconter sur des choses que j'ai vécues, c'est... Peu de façon de se libérer, on ne peut pas garder ça pour moi. Donc, à côté, ça fait du bien, ça. C'est comme si on parlait à quelqu'un. En fait. T'as raison d'être bouleversé par ça, parce que c'est des choses très sensibles. Et nous, ce qu'on veut, on sait que c'est très sensible. Et ce qu'on veut, c'est que ces choses sensibles-là puissent être exprimées au plus fort. Tu vois ? Et que les gens puissent... Donc t'as pas forcément... Toi, t'as l'émotion à l'intérieur de toi, mais t'as pas forcément tous les mots pour essayer de le dire. Donc nous, on est là pour essayer de te donner les mots, ça, les, c'est les, pas les, temps, les idées de musique, etc. Mais... Ça, c'est juste de la... On va dire, c'est juste de la technique. Un mot pour un autre, c'est pas... ça remet pas en cause la sensation. Ça remet pas en cause la sensation. Au contraire, ça veut essayer de la valoriser. Essayer de faire en sorte que ça soit le plus perceptible possible, le plus fort, le plus dense possible. Pour que les gens puissent aussi ressentir que, eh ben, effectivement, c'est plus que difficile que d'avoir vécu ce genre de choses-là. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toi tu le dis, et nous, on essaye de faire que les autres puissent l'entendre. Et il y a des fois, il y a des mots qu'il vaut mieux utiliser dans une intensité plutôt que dans une autre, pour que les autres puissent l'entendre. Parce que ça, nous, on connaît, si tu veux. C'est toujours dur, c'est toujours douloureux de sortir des choses qui nous ont fait mal dans la vie. Ça, c'est normal, enfin, je veux dire... Là-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur, tu vois, c'est... Moi, je suis pareil, hein, tu vois, tout le monde est pareil, tu vois. Si on a un truc qui nous fait mal, bah, quand ça sort, ça fait mal à sortir, et ça, c'est normal, tu vois. Et après, après l'idée, c'est d'essayer de comprendre le mieux possible l'intérêt, tu vois, de pourquoi nous on est là, et de comment on pourrait arriver à sortir les choses, quoi. Donc, artistiquement, c'est bien parce qu'on fait des morceaux, mais le mieux dans tout ça, c'est même pas de faire des morceaux, le mieux, c'est d'arriver à ce que vous en parliez, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas évident, quoi. Et là, le fait d'avoir des instruments, d'avoir du matériel, de travailler sur l'artistique, ça permet de sortir des choses. Donc, ça se fait pas en claquant du doigt, et ça se fait pas toujours avec le sourire, et ça, c'est normal. Tu vois, ça, je veux dire, y a pas d'inquiétude, quoi, c'est normal. La dernière phrase de ton texte, qui est « Tu ne sais pas ce qui se passe dans la main. » Tu sais très bien ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Bien ça. Je l'ai fait dire à mon fils. Qui a 7 ans. Ouais. Et il a enregistré. Et tu vois, c'était parce que c'était à peu près l'âge, il a à peu près l'âge du garçon qui parle à ce moment-là dans ton texte, tu vois. Et c'était une phrase de conclusion qui pouvait mettre, tu vois, justement de l'émotion, etc. Donc tu vois, faut penser, tu vois, même mon fils a essayé de servir l'émotion à sa manière, lui, quoi, tu vois, sa manière, ouais. Sans forcément comprendre tous les paramètres, mais il l'a fait avec le cœur, quoi. Et tu vas voir, tu vas écouter ce qu'il a fait, et c'est super bien, quoi. Voilà. Je vais te faire écouter ça, si tu veux. Toi, d'être en désaccord et tout ça, c'est pas grave, mais le plus important, c'est qu'une fois qu'on est en désaccord, on revienne sur le système de communication, tu vois. Se braquer, c'est rien si on arrive à se parler après, quoi. Et bon, je sais que c'est pas toujours évident, hein, mais tant que tu comprends qu'on est là pour vous, t'as tout compris. À partir de là, tout est possible, quoi. Mais faut surtout pas que tu crois à l'inverse, quoi, parce que c'est pas vrai, puis on serait pas là sinon, quoi. Donc là, on va écouter la piste d'Oscar. Mais tu sais aussi bien que moi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. On en a fait plein pour choisir la meilleure. Dans la tête d'un gamin. Mais tu sais aussi bien quoi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Tu sais aussi bien que moi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Enfin, à un moment, il se vénère. Tu sais aussi bien que moi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Tu sais aussi bien que moi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. Mais tu sais aussi bien que moi tout ce qui se passe dans la tête d'un gamin. L'arrachant il s'en sort, il se libère d'espace angoissé, il se délivre après avoir tout cassé, il se libère, c'est avec amour qu'il veut grandir en paix, il se délivre, l'arrachant il s'en sort, il se libère d'espace angoissé, il se délivre après avoir tout cassé, il se libère, c'est avec amour à voir qu'il veut grandir en paix. Voilà, il se libère. Il va nous tailler. Cri-cri-mante, tu connais? Cri-cri-mante, la jolie, tu connais? Ouais, c'est bon alors. Voilà, lui c'est un cant, voilà. Lui c'est un cant, tu vois, voilà, faut le comprendre, il est comme ça, il aime bien discuter pour rien. On copie, oh my, on copie, oh my, on copie.
après avoir tout cassé. C'est avec amour et gloire qu'il veut grandir en paix. Donc voilà. Ah, t'as des petits franquets, toi. Il est tombé pour le braquage. Je vais jamais oublier ça, c'est ça le problème. C'est bien que tu m'as donné. C'est une, quoi? Et où? Son homme petit 10 ans qui vient de perdre sa petite soeur restant enfermée dans sa chambre ruinée, sa vie et son cœur. Il envoie à tout le monde dans cette mauvaise passe, il trouve ça immonde. Que Dieu lui ait fait un tel coup de race. Il repense à la petite et à son soeur merveilleux. Il se rappelle des soirs à la porte avant d'endormir comme il est heureux. Il tourne la tête, il n'y a plus de bruit autour de lui. Il regrette que ça soit et qu'il soit parti, il se demande pourquoi pas lui. Ses parents essaient de le calmer, de le raisonner. J'explique que l'âme de sa petite soeur maintenant au ciel est monté. Lui il ne comprend pas, il continue de pleurer. Sa mère le sert dans ses bras et essaie de le consoler. Mais il ne peut rien faire, sa peine est trop forte. Il perd les larmes de son corps et regrette que sa petite soeur soit morte. Il éprouve trop de peine en silence. La vie lui fait déjà regretter son enfance. Dans sa tête, il dit que son c'est trop tôt pour partir. Il n'envisage, il ne conçoit pas, ça serait un avenir. Regarde de sa petite soeur dans sa tête, elle reprend comme dormir. Soudain, le coin de ses lèvres, se dessine un sourire, se dessine un sourire, se dessine un sourire, se dessine. Quand un proche meurt, sa grande soeur rentre dans sa chambre. Il tente de lui parler, il saute dans les bras, il se laisse toi pleurer, il pleure en silence. Sa sœur lui explique le souvenir, la verra fait tout s'est transformé en ange. Et que l'ange est envolé, c'est la bataille de la misère, sorcière sur lui. Après 2 ans après, le couple de ses parents sont tout détruits. La séparation fut choquante et mouvementée, le type ne comprend rien. De gauche à droite, il est baladé. À 12 ans, il dit n'a pas de mauvais cas. 13 ans, fait le proche à sa mère, sur le départ de son père. Écrire des textes, composer des morceaux, tout ça. Ça apporte beaucoup parce que non seulement des fois on surprend nous-mêmes et surtout on surprend les autres parce que souvent ils n'imaginent pas que des personnes comme nous sont capables de réaliser des choses comme ça. 15 jours c'était assez limite pour composer des morceaux et même juste l'écriture c'est assez limite. Parce qu'on ne peut pas assez développer ce qu'on a envie de dire, tout ça. Mais honnêtement, j'ai été surpris par l'aboutissement parce que c'était assez réussi.
assez réussi pour des personnes qui ne sont pas musiciennes. Et voilà. Ça pousse à être violent, voilà, tout simplement. Et on parle bien de la musique. On essaye de dire, de faire comprendre à d'autres personnes qu'on n'est pas des personnes méchantes ou différentes des autres, mais plutôt en mal d'expression. On n'arrive pas à bien s'expliquer. Et tout de suite, le moyen le plus simple, bien sûr, c'est la violence. C'est la violence. Un homme, c'est le vécu et le courage, mais la rage propage parmi les miens. Et toutes les souffrances en France, c'est lourd. La vie est un parcours qui s'effrite de jour en jour, parce que la haine ternit l'amour, et cela depuis toujours. Pour l'instant, je laisse couler le temps, et j'attends le jour J, que la liberté redevienne mon ami, que je trouve mes proches et mes amis. Que le ciel m'ouvre les portes du paradis. Que le ciel m'ouvre les portes du paradis. Ouais, ouais. Que le ciel m'ouvre les portes du paradis. Il y a comme une odeur immonde. Ouais. Avant que le tonnerre gronde. Que tout s'effondre et que ses pleurs nous inondent. Il n'y a pas de doute, ça sent la fin du monde. Ça sent la fin du monde. Ouais, ouais, il n'y a pas de doute. Malheureusement, trop tard. C'est juste que ma mère disait que j'allais comprendre tôt ou tard. Mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le vice m'a affecté comme un sexiste affecte un cafard. Parce qu'ils sont disant notre couleur, notre culture, moins de valeur que les leurs. Il faut marcher dans leur sens avant de goûter au compresseur. Écrasant auparavant nos prédécesseurs. Combien de frères et sœurs partis, à cause de gens sans cœur. Dehors à l'intérieur, une t'inquiète inférieure. Le paradis sur terre existe, mais au bout attend un malheur. Tout est calculé, mais la plupart ne se rendent pas compte. Normal, le départ attaque, certains nous racontent. Au bas de l'échelle, c'est la misère qu'on affronte. On vit
bien. Le mal profond nous encrasse les mains. Le bonheur des uns fait le malheur de certains. À cause des va-et-vient, ceux qui vivent bien. Dans nos pensées, la haine nous chuchote des idées malsaines. Je deviens metteur en scène de fâcheux scènes. La recherche du parc terrestre est bien. Ce qui fait un homme, c'est vécu le courage. Mais la rage se propage parmi les biens. Toute souffrance en France est lourde. Un parcours qui s'effrite du jour en jour, parce que la haine termine l'amour, et cela détruit toujours. Pour l'instant, je laisse que le temps, et j'attends le jour J, que la liberté devienne mon ami, que je prouve mes proches et mes amis, que je serve les portes du paradis. Que je serve les portes du paradis, paradis. Que je serve les portes du paradis. Comme le dernier mot, avant que tout s'effondre. Pleure de jumeaux avant que tout s'effondre. Y'a pas de doute, c'est sur la fin du monde. Fin du monde, fin du monde. Ouais, c'est sur la fin du monde. En écrivant mes textes, je voulais surtout que certaines personnes, comme les hommes politiques, tout le reste, qui catalogue les jeunes derrière une étiquette de violents, de casseurs, de etc. Je voulais surtout faire passer un message que cette violence et ces casses, etc., c'était plus une manière d'exprimer un mal de vivre, une souffrance que ces jeunes ne trouvent pas. Ils trouvent pas les mots pour exprimer ce mal de vivre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour les jeunes? Moi déjà je pense que la prison c'est pas vraiment la solution. Il faudrait plus des éducateurs de façon pour les aider dans tout, à l'école ou dans leur quartier pour éviter qu'ils fassent des conneries, essayer de leur trouver des activités, des trucs comme ça à faire, des trucs pour les occuper, qu'ils n'aillent pas traîner, ils travaillent pas. Souvent, on pense que la prison peut être une solution, mais moi je dirais que non. Parce que souvent, les jeunes qui sont amenés à venir ici, dans un jeune âge, c'est à cause surtout parce qu'ils n'ont pas de repères, ils ne savent pas ce qu'ils veulent de la vie, ils ne savent pas où aller, ils ne savent même pas leur but, ils ne savent rien, ils sont perdus. Alors, comment ils peuvent faire? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'exprimer. Alors comment faire? Quand en soi-même, il n'y a pas d'espoir, on ne sait même pas quoi espérer. Il y a quoi d'autre à faire que d'être violent et d'être méchant avec tout le monde? Puis en 15 jours, on a réussi à faire une douzaine de morceaux. Et, à mes yeux, des morceaux de qualité, des morceaux d'humanité, des morceaux d'amour, avec une vraie recherche musicale. J'ai été énormément surpris, parce qu'il y avait aussi une facilité de transmission qui n'y a pas chez tous les artistes, finalement. Beaucoup d'artistes sont des gens très complexes. Et ces gamins-là, qu'on a rencontrés en 15 jours, voilà, ils ont sorti tout sur la table, et puis j'étais assez impressionné du résultat. J'ai été aussi impressionné du feeling qu'ils peuvent avoir aux choses, de la pertinence de leur vision artistique, de leur recherche, des questions qui se sont posées et du sens qu'ils ont donné aux choses. J'aime le flair. Chantal et la rose pour la vie, Chantal pour l'éternel. I love you forever, my baby. Limbi sanga ma chanta, limbi sanga sur Zélande. Moyenne quand la beauté na yo mouté mes unités. Ousali sous le beauté à maman na Élysée. Maman ya boutanga fatika ki fototé. Souki nga na moni yo, vama souci à maman. Maman na kande tika ka obsessionné. Yangonga na linga ka, kouzala se pénilé. Je vais pour une heure. Tu l'as pour une heure maintenant?
tout de suite. Ben, il est là. Ils peuvent monter. Ah, ils peuvent le faire, ouais. Ils veulent le faire, ouais. Fini quand on t'a couvert Bolingo Oyo na tout la kitolo. Soki na yeba kingo na mi pesa kite. Tana lilu, ba koma ko se kema. Na koma nzuli, ma li rekole. La yolandi mousolo, si li se nga lulu. Si ma la yo yo, nga yawa. Au moment des chants, de placer les voix sur les instrumentaux, c'était un peu difficile et j'avoue qu'on a un petit peu douté de nous-mêmes. Au bout d'un moment, à force de répéter, on doute de soi et on n'y croit même plus, on n'y croit même plus à la limite. Et parce qu'en fait, on était un peu pris par le temps et tous ces genres de choses, on n'arrive même plus à y croire. Et il y a eu souvent des petits moments comme ça où les musiciens, les intervenants nous ont mis en confiance. Et je voudrais dire que ça m'a beaucoup touché. Cette confiance, elle vient du fait que ces personnes avec qui on a été en contact, ils ont cru en nous tout de suite en nous voyant. Ils ont cru en nous. Et alors que nous-mêmes, on n'y croyait pas. Et je dirais que c'est cette confiance qu'ils avaient en nous qui nous a motivés. Quand j'écris ces quelques mots, la seule chose qui me vient à l'esprit, un mélange de tracas, on appelle la vie. Chaque jour, de plus en plus de tragédies, ça bat sur les jeunes détectives, jusqu'au plus proche de mes amis. À votre avis, par quel autre sentiment que la tristesse peut être envahie? Pour tous ces gens, amenez-moi des sentiments. Pendant la construction des morceaux, qu'on a joué en groupe, pour essayer de trouver un idéal pour chaque morceau, honnêtement, j'aimerais bien vous l'expliquer, vous décrire tout ça, mais c'est des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est comme ça, on joue. Et puis, à force de jouer, de répéter, à un moment, bim, comme ça, y a quelque chose qui fait que voilà. Ça, c'est pas naturel. C'est une chose que je sais pas, je peux pas l'expliquer. Ça se ressent. Ça se ressent.
j'ai un cœur, des sentiments, je peux pleurer et rire, moi aussi, c'est pour ça qu'on vit. Comme ça, on puisse mettre des activités comme ça à temps plein pour les jeunes, pour développer leur manière d'argumenter, leur manière d'exprimer ce qu'ils veulent dire et surtout de pouvoir mieux communiquer avec les autres. Je trouve que c'est super important. Avec la relation que j'ai eue avec les intervenants, Pulsar et même les autres détenus, j'ai un peu changé moi-même parce que j'étais une personne très renfermée, j'aimais pas les gens que je connaissais pas. Faire une activité en groupe, ça m'a permis d'apprendre à vivre mieux en communauté, d'accepter les choix des autres et pas seulement penser à mon propre intérêt. Je le reconnais direct. Passe, vas-y, lâche ton jeu. Voilà. Ouais, je te les ramène, tu montes, je te les ramène. Eh, la fouille, la fouille. Oui, je viens encore. Ah, on est là, on est là. Hein? On a fait midi. Voilà, bien tarmé. Hein? Ah, t'inquiète pas, il n'y a pas ça. Voilà. Tiens, j'ai mon passé. C'est un passé assez sombre, assez assez triste parce que j'ai pas eu toute ma famille auprès de moi et on a souvent été un peu bousculé par les conflits de famille, tout ça. Et moi, honnêtement, j'ai voulu grandir trop vite. Et j'ai été attiré par l'argent parce que pour moi l'argent c'était comme une chose, c'était le but de la vie pour moi, c'était le centre de tout, hein. C'était le centre de tout. Et aujourd'hui je me rends compte que honnêtement l'argent ne rend pas heureux, l'argent. Non, on va en activité, on va pas en promenade. Avec certaines personnes, j'ai pu parler de plusieurs sujets, donc ça m'a fait du bien. Je me sens mieux, je me suis... On va dire que j'ai fait une petite mise au point, je me suis remis en question, comme on dit. J'ai réfléchi sur plusieurs choses je me suis rendu compte que les décisions que j'ai prises dans le passé, c'était pas toujours les bonnes. Et s'il y avait moyen de refaire marche arrière, quand je sortirai d'ici, je recommencerai à zéro, mais mieux.
Il y a des centaines de choses dont je me souviendrai de cette action, des petits mots, des sourires, des moments d'humanité immenses. Ce que je retiendrai de cette action de manière globale, c'est que les choses sont possibles. Et on peut reconnecter un jeune complètement déconnecté avec la réalité. On peut faire parler un jeune délinquant d'amour. On peut reconnecter un jeune en difficulté avec sa notion de l'avenir, sa notion de la vie en collectivité, le respect des autres. C'est possible, quoi. Et ça, c'est ce que je retiendrai de plus fort, parce que finalement, c'était quelque chose d'assez insensé, et on a eu la preuve vivante sous nos yeux que c'était possible, en y mettant beaucoup d'intention, beaucoup d'amour et aussi beaucoup d'humour. Et ces gamins-là, finalement, ils nous ont démontré que tout ce qu'on dit sur eux, tout ce qui peut être dit, tous les a priori, tous les amalgames, ils nous ont rappelé que c'était avant tout des gamins, quoi. Et je pense que c'est ce que je retiens de plus fort, parce que c'est vrai, quoi. C'est des gamins, quoi. Et qu'ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin d'être mis sur la voie. Essayez de jouer.
à ne pas pleurer. J'ai un cœur, des sentiments, je peux pleurer et rire, moi aussi, c'est pour ça qu'on vit.